Allo tout le monde, voici le champion MMCL. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur OpenTTD avec mon délire. Je peux pas. Si vous voulez en savoir plus de mon délire, je vous invite à regarder les bonus des meilleurs moments. Ouais. Bon, dans la dernière vidéo, il y a 2 mois de cela, je ne sais plus trop qu'est-ce que j'ai fait. Mais, une chose qui est sûre, la dernière vidéo est annulée. Ouais. Et ça sera pas le cas aujourd'hui. Là, comme que vous pouvez voir, le chemin de fer est bel et bien raccordé. Tout cela. Je sais plus si j'avais fait ça il y a 2 mois, mais... Mais qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois? Ça par contre je l'avais pas fait, voilà. J'ai créé une route pour vider le plus vite possible les puits pétrolières. Parce que ça va partir assez rapidement. Les routes, je vais les laisser là. En plus je vais les améliorer, c'est pas plus grave que ça. Parce que ceci, il va pas me servir du tout. Comme il me sert pour là, elle me servira plus. Plus du tout. Par contre, quelqu'un qui va le temps, qu'il va y avoir des raffineries pétrolières, là, c'est une autre histoire. Là, on va s'amuser un peu. Il faudra que je fasse un canal ici. Pour pouvoir déposer avec les navires, le canal pour déposer le pétrole. Le pétrole va le transformer en bien. D'accord. Et que ces biens vont aller directement à Montréal. La 4e ville la plus grosse au monde. Donc j'ai l'objectif de le monter à premier mondial, bien évidemment. Ici, c'est sûr que je pourrais exploiter ceci, même pas tout de suite. Ce serait plus sage de ne pas exploiter tout de suite, malgré que... Ah, lui est exploité. Et lui, non. Peut-être à un moment donné, réexploiter celui-là, par contre. C'est ça. Et on reparle ceci. Avec un véhicule qui tombe en panne. Qui est juste lui. D'accord. J'ai 311 000 $. Je me suis fait 61 000 la dernière fois. Investir, j'ai pas le choix d'investir, mais il faut pas trop que j'investisse, malgré tout. Sinon, mon argent part vite. Hein. Juste les lignes ferroviaires puis toutes les kits. Ah, me coûte cher. Ouais, ça a coûté très cher. Nouveau véhicule. Céréales et bétail. On va ici, ça va plus rapidement. Ça commence bien l'investissement, mais ça commence bien parce que lui a eu le temps de passer, mais lui a pas eu le temps de passer avant lui. Mais lui, il va y aller par contre. T'es en pleine croissance, si je me trompe pas. Population, c'est ça, 45. Passager, modérigé, ouais, il croit. La ville croit toutes les croix. Ah ouais. Oh, Montréal est au jaune. Il est maintenant rasé au jaune, Montréal. Il est au rouge, attaqué à fois. L'industrie agricole est partout. Je dis bien, partout. Nous sommes le 31 décembre et voici le 1er janvier. Nous sommes le nouvel an.
Vérifions l'état des véhicules. Commençons par le train. Le train 1 qui est en déficit. Non! Pourquoi en tout? Il est en augmentation. C'est lui qui fait monter l'argent. Non, 12 000 dollars, j'ai oublié. Lui, il n'y a même pas de déficit du tout. 20 000. Les trains, c'est rentable comme ça, je peux. Oh, par contre, lui. Passager est moins rentable. Il est plus rentable. Il est plus rentable. Malgré que c'est tout temporaire. Pour les véhicules! Rentable. Non, c'est correct. Ici, c'est un camion oublié. Vu que c'est le quand même, il y en a plus que un. Lycée postal. On va attendre que l'industrie augmente comme ça. Ça ne sera pas une mauvaise affaire. Bah, si comme si je l'enlève. Quand faut penser à ça, si je l'enlève, faudra que je le remette par la suite. Puis là, c'est pas le temps. Pour qu'est-ce qui est de ceci, je veux pas du tout faire quoi que ce soit. À moins que je me trompe, mais non, je me trompe pas. Y a rien! Aucune autre ville qui l'offre. Peut-être si j'exploite un peu Molax. Ah, Molax, c'est pour la ville, oui. C'est la ville la plus grosse au monde. Alors, on va l'exploiter un tout petit peu. Cette ville. Admettons, il y aurait une rivière ici. Admettons, ça serait la ville la plus grosse. Bah non, pas la plus grosse, ce que je veux dire, c'est. Je n'ai pas rapport à. Sur la plus... Oui, c'est la plus grosse. Ça ressemblerait à un peu plus à Montréal. Exemple, ça ferait ça, là, ça ressemblerait plus à Montréal. J'ai de quoi faire des choses, c'est ça. Valeur de la compagnie. 2 $! Genre qu'il y ait les raffineries pétrolières. Les plateformes pétrolières. Raffinerie, oui, il y en a, mais les plateformes pétrolières, j'ai hâte qu'il y en ait. La raison est telle que. On se ferait bien de l'argent. Ah, tant pis, là. Bon, là, je suis à 300 000. Je fais 19 000. On va investir un tout petit peu. Question de se faire quand même plus d'argent. Ah, ça coûte cher. Mais c'est ça qu'il faut faire pour investir. Si on n'investit pas, on n'a rien. Je vais investir un instant pour un charbon. Industrie ferroviaire. Forestière. C'est très rentable. Justement, je vais regarder. C'est quoi sa production? 80 tonnes. 200, je pense que je vais peut-être acheter un nouveau véhicule. Forestière. C'est une 180 tonnes. Vais acheter quand même un nouveau véhicule forestier parce que c'est quand même une industrie qui vaut la peine d'investir. L'industrie ferroviaire, je n'investirai pas pour plus pour l'instant parce que. C'est une industrie qui est extrêmement coûteuse.
C'est une industrie de riches, comme qu'on pourrait dire. Ouais, de riches. En soi, j'aurais pas le choix de mettre. Lui, limite, mais lui. Je vais mettre deux véhicules là-dessus. Si je l'exploite. Bon, je suis en moins 37. C'est moins pire que vous, 193. Mais j'ai pas le choix de faire ça, des fois. Plus qu'on investit, c'est sûr que ça coûte cher, mais à la longue. Plus que de revenus, plus ça va être rentable. Montréal est encore 4e. Bayonne est 6e. Celui-là est 6e. Pas pire. Lui, il croit moins vite que lui. Hey! C'est lui la capitale, on s'entend. C'est lui qui a le monopole. Moins 37 000, bon, c'est pas si pire que ça, c'est pas dramatique. Ça fait beaucoup d'un coup, mais c'est pas grave. Et voilà, on est déjà dans le positif, c'est pas formidable. Oh, qu'est-ce qu'il y a des trains? Ça a baissé. Ah, ouh. 10 000, 13 000, 14 000. Oh, lui a augmenté, mais les deux autres, ouh. Ouch. Paris! Valais! Ah ouais! Paris! Où ça, Paris? La ville de Paris est que de 871 habitants. C'est pas beaucoup. Paris! Mais pas la plus grande ville, pas en top! En francophone, c'est la plus grande ville francophone suivie de Montréal. Mais quand même. Mais là, c'est juste pour pouvoir objet de valeur. Parce que l'objet de valeur, c'est le commerce le plus rentable. J'ai besoin de ceci. Qui va aller là, passager uniquement. Et de cela. Distancé, c'est très voulu, très volontaire, mais pour pantoute. On va mettre un garage juste ici. Question pour pas qu'il me mette dans le rouge. Que je puisse rien faire. Ça veut dire que c'est récent. Ça, c'est moyen. D'accord. Pour l'instant, pour les véhicules, on n'a pas à s'en occuper pour le remplacement pour l'instant. La journée qu'il faudra commencer à remplacer ça va nous coûter cher. Très cher. Ouh! Et du diesel! Du diesel! Mais pour l'instant, là, Bayonne s'est baissé à peu près. Ça, les passagers s'abaisser, ça n'a pas réaugmenté, puis ici non plus. Je comprends pourquoi que ça limite. Hein? Je suis même pas en 1960. C'est vrai, là je suis à 1,1 million de possibilités de prêt. C'est vrai. Dans le fond, je vais vous expliquer. À chaque 5 ans, ceci augmente de 100 000. C'est-à-dire, à chaque 5 ans, je peux monter ceci de 100 000, mais bien sûr, les intérêts viennent avec. Bien sûr. Mais quand même, à chaque 5 ans, me semblait que c'est après 10 ans. À chaque 5 ans, elle a augmenté de 100 000. Mais là, on me dit le contraire. Je suis déjà à 1,1 million. Tandis que j'aurais dû être à 1,1 million en 1960 et non en 1955. Ce qui veut dire en 1960, je vais pouvoir réemprunter un autre 100 000 $, qui veut dire que je vais être rendu à 1,2 million. C'est des grosses sommes quand même, faut se dire là. C'est des grosses sommes.
Qui veut dire, je pourrais commencer à investir un tout petit peu. Mais c'est ça. Moi, qu'est-ce que je ferais honnêtement? C'est que moi, je ferais une ligne complètement ici, qui s'en allerait juste ici. Mais ça me coûtait au moins un bon 200 000 dollars. Au moins. En plus que tout le coûte de plus en plus cher, ça aide pas. Deux lignes ici, bah deux voies. Lui, il va par là. Lui, il va faire une petite boucle, un viaduc. Ouais, c'est ça. Un viaduc pour aller rejoindre l'autre. Le côté, la même affaire. Comme un peu. Comme un peu les autoroutes. Ça fonctionne très bien. Même si des fois il y a certaines failles. Bon, lui, il a 14 000. Là, il est complètement vide. De toute façon, c'est quelque chose qui va partir assez rapidement. Quand que ça va. Malgré que ça peut être surprenant qu'il roule longtemps. Je suis quand même une partie, j'avais des minerais de fer. Le premier, là, il m'a toffé. Mais vous savez pas combien de temps? Mon nez, il s'est éteint. Elle a duré plus de 50 ans. Et gros pocoyeur. Je suis rendu à un peu plus de 100 ans, là, dans mes premiers tests. 100 ans, peut-être à un moment donné, je vais vous montrer. Là, lui, est-ce qu'il est content? Non, oh, Montréal est content, par contre. Mais Morlax est moyen. Moins content. J'avais comme pas le choix. Pas que j'ai pas le choix, mais si je veux, j'ai pas le choix d'investir. Parce que. On s'entend que. Il y a pas mal de passagers. Faut que j'aille quand même un certain roulement pour pas que. Pour être correct. 50 000 litres seulement. Imagine, un train là, je le vis dans. Demain, là, un train. Un train pétrolier là, je vide ça, les puits d'un coup. C'est ça le problème avec les puits de pétrole. Ils s'épuisent très rapidement. J'aime beaucoup mieux les plateformes pétrolières. Ils sont plus durables, honnêtement. Sont vraiment plus durables. Puis je pense que je vais rester là. On va arrêter ceci. On est quand même avancé. Voilà. Nous sommes le 14 février 1958. Ce que nous avons fait, nous avons commencé à exploiter cette ville qui se nomme Morlax, reliée à la grande, grande, à la capitale mondiale qui est Montréal. Par la suite, on a relié ceci à cela. Est-ce qu'il y a un peu de pied par contre? Je sais pas. 99 tonnes. Est-ce qu'il rapporte beaucoup? 5 000, ouais, quand même. Quand même, 5 000. C'est pas négligeable. Par la suite, qu'est-ce que nous avons fait d'autre? Nous avons bien sûr dit ce champ. Qui est. Céréales, des jeux céréales. D'accord. Bétail, ça va très bien, mais céréales. Ok. Est-ce que ça va bien ici par contre? Oh, très bien même. Oh. Elle va très bien cette. C'est bon à savoir. Ici, il n'y a pas de passager. Ici, il y en a. Puis ici, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de courrier. 13 passagers. Ok, ça c'est pas assez de courrier. Ouais. Ça roule pas fort fort. Je pense que si ça continue,
En attendant que les autobus ne soient pas en déficit, s'ils sont en déficit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en pogner, puis en. Le mettre sur d'autres villes aussi. Grossir son itinéraire, ce serait pas une mauvaise chose. Pourquoi pas exploiter Paris, par hasard? C'est un peu loin, mais au moins. Et je l'exploiterai. Juste comme ça. Vérifions. 13 000. Ouh. Ouch! 6 000. Ouh, lui, ouh, ça va mal. Ça commence à aller mal. Ici. 6 000, 6 000, 3 000, 400. 1 000, 1 000, moins 500, moins 100, 3 000. Hey, il y a moins de rouge. Beaucoup moins de rouge. Oh, lui, pratiquement moins 1 000. Oh. D'accord. Hein? On va le comprendre pour l'instant. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est vraiment. Je dois pas manquer grand chose en dernière la vidéo qui est pas sortie, mais quand même. J'avais quand même avancé. Alors, pour ça. N'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dont le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur OpenTTD. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.